Merci inspecteur, merci infiniment inspecteur Karl-Henri Boucher parce que vous acceptez bah, nos interviews exclusives ça malgré que nous en situation difficile. Nous voyons dans cellule loi, nous voyons que même manger ou pas voulez manger ou en garde à vue, mais en pile monde a posé cette question parce que ou connaît que c'est ou même que en pile gros état-major dans haut état-major de la police là yo accusé que c'est à cause de ou que opération n'est pas réussi dans village de Dieu hein, et que c'est à cause de ou que toute police ça yo mouri ou même qui sort à remédier peuple là ou gen une chance unique pour défendre nous devant peuple. Est-ce que ou responsable la mort policier ou inspecteur Boucher? N'attendons. Ok. Le projet était quoi? Le plan, nous pas qu'il plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons des plans parce que c'est une opération qui a supposé qu'on tuer de 8 à 10 jours parce que nous sommes pas maintenant notre pouvoir. On fait des choses nous parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle, mais nous ne répondons pas à l'agent d'une opération sérieuse. Nous n'avons pas été motivés, vu que nous avons toutes ces blessures que nous gagnons, nous n'avons pas été motivés, sachant que nous pénétrer dans un moment qui te paraît un peu difficile parce que deux jours avant, blindé au matin, prendre du feu. Donc, si je comprends, la première étape opération, hein, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat avec une opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se passe à pied. À pied? Oui. Donc, ce n'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien policiers, directeur général là, et t'es compté mettre et pour capable de faire intervention ça à pied dans le village là? Combien policiers comme ça? Bon, moi j'ai gardé configuration parce que, pas d'oublier, c'est une opération qui t'a gagné toute la nuit. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les grandes côtes. Et puis, nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça qui a passé en bas. Donc, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous ne pas trouver. Mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPRP, le directeur départemental de l'Ouest, parce que comme tu as subi, le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations. Il y avait un responsable, un superviseur général des opérations. Et puis, il y avait un responsable du périmètre externe. Okay. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Okay. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de police. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc, on parle de le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, que peut-être nous capables d'avoir certaines informations en temps réel, si par exemple nous participer, nous regarder comment l'opération est à partir du drone, nous capables d'intervention, nous capables directement, pour que si l'opération paraît difficile, nous capables d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent, 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, non, que j'interviens. Et on a parlé publiquement, c'est-à-dire que je fais me tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis là, pour famille, pour des peurs, mon institution, et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant à sacrifier. Mais pourquoi vous avez cité quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 18 ans de ma carrière, j'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir
des résultats nous clarifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. Tout à l'heure, que dit que nous connaissons un petit bar d'elle, et qu'on nous compte pour ceci pour eux, et qu'on nous compte pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mais vu pour l'être, mais vu pour les difficultés que je ne peux créer dans ma carrière, mais vu pour l'être, je le dis sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Maurice Anderson. Qui bouge en premier temps, comptez sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCP, ce que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction de défense de bataille du monde. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, la criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ, mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de prêter pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. La boule, nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être que tu réfléchis que, mais qui compte nous qu'à aller pour nous boumer entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On peut le faire. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous même qui va chef des opérations, des policiers, mais entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'est pas mon devoir. Vous m'avez dit ça pour le job. Vous-même, vous avez fini la petite présentation. Vous êtes la chaîne pour me faire information en temps. Qui me jouait. C'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Vous allez exactement, je me rends habitué là, on va le vérifier. Est-ce que et toute équipe qui est souterrain et qui positionne au pays, vu que nous devons que. Premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier le monde. Nous montons l'opération 46 minutes après. L'opération est en commencer. C'est le stade de fait à ministère du Commerce. Je vais c'est là. Je ne vais pas supposer dire ça. Parce que je viens nous retirer du temps stratégiquement. Et étant donné que le public est obligé de dire, qui te permet nous que nous utilisions l'espace pour nous décaler les voies. Nous arrivons que tout le monde comprenne ça m'a dit au niveau technique. Et des certains mecs qui connaissent ça m'a dit très bien. L'homme est sous terre, ministère du Commerce. L'homme volé, il est très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout, qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Oui. Ceci dit, l'homme volé dans la hauteur ça, vous voler à 100 mètres, plus ou déjà sur l'espace très haut, par le jour, vous avez une couverture aérienne qui est plus large, mais vous parlez une vue bien spécifique pour pouvoir dire ça, c'est une assemblée. Ok. Voilà, le malin, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé. Et là, nous constatons des blindés qui descendent très loin de l'une cible. Nous venons directeur central adjoint et nous disons sur radio, c'est juste pour nous alerter tout le monde. Nous dit que, et tout le monde attendait des lignes blindés qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de banlieue. Une fois que nous dit ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui pourrait dire retourner, faire ça, faire ça, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé,
moi-même, je suis juste parce que comme tout le chef des opérations fait travail. Nous ne pas faire d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, moi, je suis rentré à minuit 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, je suis pas. Sous mon chef. Et toute police qui était avec nous, capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sentais très, très fatigué. Et, m'a regardé, comme le drone n'a pas acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA1 qui donne les radios de communication, pas moi. Mais moi-même, je n'ai pas de radio opération, mais de radio DDO, mais à tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le de renseignement des opérations. Qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. Il ne faut pas dire ça paye tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui t'en ai bouché? Qui t'a fait trois blindés en train de dormir? Est-ce que c'est moi-même qui t'en ai bouché? Qui t'a été dehors, qui t'a pas capable de battre à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y avait, qu'il y a tout mon trou, après trois blindés en train de dormir, or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Qui avait deux blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déplier l'espace dangereux que les campagnes. Excusez-moi, c'est pour beau titre dans le journal là. On m'a sacrifié. Mais on me disait, on est rien. Je m'en prie, on est sixième. Je m'en prie, je suis au que je suis le sixième politique qui est mort. Que je peux parler aujourd'hui, mais je suis le sixième policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. J'étais là juste pour superviser, pour regarder. Et pour aider particulièrement le haut état-major. Pour un général qui a dit que nous sommes tous ensemble. Et moi, je suis. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Mais si vous demandez pour mourir, entrer à pied. Et si vous entrez à pied, imaginez-vous ça qui est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce que un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policier, entraînement policier. Tout ça est très pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je mente. Il ne faut pas être négatif. Il y avait un dans la salle qui avait dit, le commandant, mentalement, nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement, nous sommes fatigués. Parce que on ne dort presque pas. On est toujours dans la rue. Mais nous sommes le directeur, lui-même, il avait son objectif. Je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, moi, je suis responsable aujourd'hui. Parce qu'à qui est-ce que vous allez partager une information, toute son information grecque? Je suis moi-même, mais côté mien là, je viens là. Mais pas peut-être pas lui-même, parce que l'institution, la vienne, il a gagné le bout de diable là. Faut que tu as vu que tu peux que, c'est pour petit lui, que lui prend la gagne notre roi là. Ou que l'on goûte pour le gang, et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Ou que vous mettez même dans le bouche lui. Ou pas protéger mon milieu. C'est l'honneur qui l'a, le cabinet a venu. Là, on va manquer, c'est ça que c'est. Dis-moi, comment la police qui est en bail? Comment ils ont venu à sentir que je pouvais mettre dans la prison, mais ce que nous n'avons pas dit, qui ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas dans le bateau. Bon, nous devons venir d'ailleurs que nous avons ajouté avant que nous posions d'autres questions. Tantôt, blindé est bloqué à l'intérieur. Les seuls armées d'Haïti en général qui prennent des mots avec un rôdeur blindé qui peut permettre de créer une route pour lui.
l'odeur a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait un petit brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Vous parlez pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça porte bien du tout, porte pour bien l'amour. Blindé a sorti, l'odeur a sorti. Nous vîmes et opérateurs vîmes et blindés à aller. Nous disons des problèmes quelconques. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit Jean Saïe, on garde pour nous rester des États-Unis, nous portons de réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation désintégrée à mon tape de l'opération. Je ne sais pas si je suis en train de faire un échec, je ne sais pas si je suis en train de faire le risque de gagner. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, je vais enregistrer la clé pour la vie. Je ne vais pas dire mentir, mais je vais laisser garder pour nous. Si nous avons un odeur, on va être quelque chose pour nous retirer pour les côté. Il dit OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE. Mais si notre Dieu existait, si moi-même je vais mourir, pourquoi ne sont pas venus mourir avec tout? Parce que si moi-même je vais mourir, pourquoi ne sont pas capables de prendre le sang, de toute l'initiative pour dire donnez-le le CNE, donnez-le les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est qu'il y a deux blindés, il y a un premier blindé après deux chats qui sortent. Vu que c'est trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village, c'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient être le premier parti hein, et pas tout côté du pays. On a une fois que l'on entrait, et le blindé n'a pas qu'à sortir, qui s'est arrivé. Nous constatons qu'il y a deux blindés qui campaient dehors. Mais avant tout, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à vérifier. Je crois que c'est responsable d'enseignement et institution. Ce n'est pas très facile de demander à Juste de Nascon la liste de mes appels pendant l'opération. Et après, je vais parler à directeur général, je vais parler à la DCPA, je vais parler à la DCPJ. DCPJ, je vais parler à elle, c'est parce que l'étonnement mais depuis le matin, on a loi, il faut qu'il mange. C'est ça qu'on fait descendre, mal manger. Et là, je disais, je suis un policier boy qui dépendait d'un bal en main. Je dis la vérité, moi je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je n'étais pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Je n'ai même pas ça opposé. Il y avait une autre équipe qui participait à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que nous le mettons en prison pour avec eux. On avait tout deux opérations. Et pas qu'on y est. Vous entendez, vous avez dit la brise de votre fond. Nous-mêmes, de qui est-ce qu'a privé? Et qui sont équipés de la captivé devant toi? Nous vous constatons que vous venez dans ma rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons dans ma rouge, nous parlons de personne avec un noir qui est en bas avec un black. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Nous n'avons jamais parlé dans la Dieu. Nous n'avons jamais parlé dans quelque chose à gagner un dossier. Mais nous étions juste, vous l'avez dit que. Si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, on va vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, le patient qu'on est, policier soit qu'a dit, je suis, je vais participer au fois, le problème à Niel Tabay. Je ne vais pas te dire parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Mm-hmm. Et vous, policiers, soit qui mourent, soit qui là aujourd'hui, hein, dit est-ce l'inspecteur général que l'on a débouché. Est-ce que tu avais payé l'opération Farid? Est-ce que tu avais été gardé mon nom? Est-ce que tu avais été? Mais quand un policier prend balle devant, mais quand il son balle, mais quand on sacrer les opérations, bah, je ne suis pas dans le monde de vous regarder. Je vais me tourner dans ma zone pour regarder tout comportement là bien. Même je veux dire, je vais saluer le commandant Boyden, qui est un véritable guerrier, qui apprend à garder les policiers, qui apprend à gommer avec les policiers. Nous pas juste été dans le bureau et puis au campé du policier en avant,
en avant, ça va être mental, ça va être état d'esprit. Inspecteur général. Ça aussi, qui va le permettre de t'appartenir avec nous. L'équipe de face, l'équipe qui est élégante, comme tous les cœurs, ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous disons, crime, nous parlons de organisé, nous disons crime.